on a fait du brochet aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui c'est une journée assez spéciale. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les gars. Donc, première partie là, bon ça va être très rapide vu que la deuxième personne, enfin le deuxième groupe de personnes arrive à cette heure là. Donc, là il doit être 6h45, ouais, 40. Donc, je vais aller au spot du pont de Cora parce que je retrouve Christo, le petit Christo que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos. Je lui passe une canne parce que bah, ma 2,8 grammes reste oisive en attendant. Mais il y a une raison à ça, parce qu'en fait, bah, comme il a laissé son matos lundi chez Evan, eh ben, il n'a pas de matos parce qu'il est au taf, Evan. Du coup, je lui passe ma 2,8 pour aller pêcher, forcément. Parce que sinon, il doit attendre midi, enfin tout le tralala. C'est même plus que midi parce que là, il arrive à 7h. Et le temps qu'il arrive chez Evan, il va être 7h30, 7h40, un truc comme ça. Le temps que le bus arrive. Donc là, c'est pour ça que je suis en retard. Et 6h40, il arrive dans 20 minutes au pont de Cora. Et du coup, donc, le deuxième groupe de personnes, eh ben, c'est tout simplement Christophe, que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Enfin, non, pas vraiment, puisque je n'ai pas sorti la vidéo, c'était la fermeture du Carnat. Christophe, là, il me rejoint, vu que c'est l'ouverture de la truite. Enfin, il l'a fait, mais du côté de Ponton de Mer, je crois, un truc comme ça. Et enfin, dans la rille, quoi, en gros. Et donc, du coup, il va me rejoindre. Et on va aller sur un spot, parce que là, ici, tout simplement, c'est pas compliqué. Depuis que j'ai commencé dans Liton, j'ai fait deux brochets, et puis c'est tout. Donc, il y en a marre. Je veux de la truite. De toute façon, je vais pas te mentir, chef, petit abonné, si je fais un brochet encore, ça va m'énerver, clairement. Je veux plus du brochet. J'en veux plus, parce que ça m'attire trop d'emmerdes. Et puis, il y en a marre. Enfin, bref. Les emmerdes, tout ça. Et puis pêcher le brochet, c'est pas le but en ce moment, puisqu'ils sont pseudo tout petits, vu que c'est des mâles. Simplement, les femelles, elles sont en train de pondre, je sais pas trop quoi. J'en sais rien. Enfin bref. J'ai pas envie de me chercher au brochet. Et encore moins en light. Lol. Donc, on va aller pêcher sur un spot à truite que je connais à peu près, vu que je le fais pas souvent. Mais voilà, j'espère qu'on va faire de la truite, parce qu'il y en a, mais vraiment carrément marre. Donc, on va essayer. Je vous recapte quand je suis avec Christo, parce qu'en attendant, bah voilà, quoi, on va pêcher un petit peu, mais ça va pas être long, parce que Christophe, il arrive bientôt. Donc on va prendre la voiture et on va aller sur un spot. Voilà. On va manger aussi, on va se taper des délires, tout ça, ça va être bien quoi. Ça va être une bonne journée, enfin je pense. Parce qu'en plus il fait beau, là il pleut pas, contrairement à hier. Parce qu'il y en avait vraiment marre, là mardi il pleuvait, il y en avait ras le cul. J'en avais marre. Donc là on est le 16 mars. Si je dois vous nommer la date, on est mercredi. Et cet après-midi on va bien voir. De toute façon il faudra déposer Christo vers 1h. Pas sûr que vous allez m'entendre. C'est une grosse cylindrée, le bordel. Il est encore là-bas qu'on n'entend même pas ma voix, je te jure, dans la caméra. C'est un truc de malade. Bon, allez, à tout à l'heure, les gars. Bon, allez, on va commencer tout simplement par le spot du carrefour dangereux, parce que de toute façon, c'est pas compliqué. Dans les spots comme là-bas, il n'y a rien. Rien du tout. Enfin, il y en a, mais pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. Et en plus, c'est des perches, donc c'est génial. Franchement, si je peux faire une perche, ok. Parce que j'ai toujours pas ouvert le compteur perche, hein, je te dis en passant. Hein. Je vais mettre un rock vibe après. Parce que j'en ai vraiment marre. Le rock vibe en 2 pouces, si je fais pas de perche avec ça, eh ben putain, ça va être du foutage de gueule. Foutage de gueule. J'en ai une quantité industrielle des rock vibes. Et évidemment, ça marche pas. C'est un truc de fou. En plus, là, j'ai un nitro chat dans 65. Enfin, un peu gros, mais voilà, quoi. 65, ça passe, quoi. Quand même. En 3,5 grammes, c'est un peu lourd. Mais bon, on fait avec. Ça, ce sera vraiment si je tombe sur un gros poisson. Genre un brochet, par exemple. Brochet, truite, c'est un peu chaud. Mais bon,
Ça peut le faire. On peut faire une bonne grosse truite de 40 là. Elle peut te le prendre, un petit gardon comme ça là. Donc on va essayer. Allez. Moi je vais mettre direct un rockbell. En fait, je vais pas te mentir. Chef, je vais mettre un rockbell. Je te le dis. Je te le dis. On va pêcher. Allez, il y en a marre. Je vais attendre mon petit cristaux là. Je vais l'attendre là. Ça va le faire. J'espère qu'il y a des perches sur ce spot là. L'animation d'un lorceau, tiens, j'en parle jamais. Moi je fais tout le tour l'animation cendre. Je laisse descendre et je fais deux petites tirées. Je sais pas quelle animation vous faites, vous. Linéaire ou pas? Quand les perches ont du mal à mordre, moi je trouve que l'animation cendre, ça les déclenche pas mal. Ouais. Pour ça, faut pas crocher le fond. Pas être trop plombé non plus. Bon, là par contre il y a très peu de fond, donc ça sert à rien de faire du dancy en animation sans. Donc là, hop. C'est un peu une pêche à vue, mais au shad, c'est quand même pas évident. Je l'admets. Que animer dans le sens inverse du courant aussi, ça c'est pas mal. Parce que quand t'es plus haut que le courant, bah, tu peux non seulement voir ton leurre arriver, mais en plus le courant le porte un peu avec la tête plombée. Du coup c'est pratique. Puis c'est plus réaliste. Enfin je trouve. T'es deviné qui c'est qui sort du bus? Christo? Oh! T'as même pas vu! Mais t'es cinglé! Vas-y, je te viens de que crier dessus, mon pote! Il a même pas entendu! Ça va toi? Wow. Check! Oui, je confirme. Vas-y. Oh, chassé dans la gueule! Christopher, Christophe. La classe. Pardon. Ça va toi? Bon bah on est parti. Je lui ai passé une petite canne machin. Puis il a oublié tout son matos. Enfin il a oublié. Non il l'a laissé chez Evan. Allez. On va pêcher ou quoi? Allez c'est parti, on attaque. Il est 9h, allez on est parti. On attaque. Hé hey, Christo. Gamin, on attaque. Pêche, pêche, pêche. Ouais, vas-y, envoie, non, doucement. Ouais, je vais laisser. Ouais, vas-y, doucement, doucement. Non, 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 eh, desserre ton frein. Yes, yes, mon gars. Ouais, il fait 50, je pense. Vas-y, envoie la purée, là. Non, 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 attends, pas le leurre. Non, non, t'inquiète, vas-y. Vas-y, doucement. Ramène-le. Allez, vas-y. Décroché dans l'épuisette. 55. Ouais, non, non, il fait 50, je te jure. Génial. Bien. Yes. Ça commence bien, merci. Putain, bien. Il est magnifique. Je vais donner ça, vas-y, prends une photo. Il a ici mon petit pépère, bah, ça fait plaisir. C'était pas prévu, mais bon. Voilà. Attends, baisse-toi un peu. Voilà. Parfait. Okay. Merde, commence pas à ouvrir, toi. Hop. Voilà. Nous avons... Oh bah oui, je pense que là il est pas mal. Allez, vas-y, hop. Vas-y, je te le tiens au 1. Oui. Au 0, pardon. Oui. Vas-y, filme par terre. Bah dis, et... Encore un peu plus bas. 58. Je l'avais dit. 58. Bah, je l'avais dit. Moi, j'en pensais plus. Parfait. 58. Bah, allez, vas-y. Il est bon, hein? Ouais. Ouais, il est sympa. Vas-y. Comme ça, je peux descendre un peu. Hop. Tu le filmes maintenant là, parce que c'est... Oui, je le filme. Ouais. Allez, mon pépère. Parfait. Allez, hop. Eh les gars, on essaie d'harponner le Paris Saint-Germain. Attends, hé. Si je peux faire une truite ici. Truite au Paris Saint-Germain.
Mais non. Putain. Et là, boum. Ce serait excellent. Pourquoi tu voulais que tu descendes? Pour choper. Avec les puisettes. Allez, on va inaugurer le barbecue avec Christophe et Totofer. Voilà. Totofer. Moi, je t'appelle Totofer. Regarde, tu peux mettre comme ça. Là. Ah ouais. Regarde. Ah ouais, putain, je tape une balle. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on va faire barbecue. On va faire du fire. La boum, la caméra crame. Lol. La caméra qui crame. Ouais. C'est les mains de Totof qui crament en attendant. Ouais, carrément. En attendant. En attendant. Bah, comme ça, tu sais, regarde, ces cartons sont tout neufs. Ils sont recyclés. Bah oui. Ça, y a pas de déchets, zéro déchet. Zéro déchet. C'est vrai? Et utilité en plus. Ça va aller plus vite comme ça. Là, ce petit carton. Hop là. Attention, les sacs poubelles dans la voiture. À la vôtre, les gars. Ouais. Merci. Voilà. Moi, j'attaque. Sauce barbecue. Chipolata et merguez. Ça passe tout seul. Un sacré pôle. Ouais. C'est comme la Boserie, il dit il prout, on dirait Donovan qui sort d'un cul tellement ça pète. Connais ce magnifique spot. Voilà. Eh, à toi l'honneur. Vas-y, fais une truite. Merci. Il y a des ombres aussi ici, c'est rigolo. Tu pêches bien toi, c'est bien. Suis un peu les bordures. Les poissons ils sont généralement, ils sont pas au milieu. Je vais te faire essayer ma canne. Ça te va? Poisson! Oh! Non, ok. Poisson! Oh putain! Chier! Non, je te jure, j'ai cru que c'était rien. Je te jure, j'ai cru que je tapais de la merde. Fais chier! Elle est là en plein dans le jus. Vas-y, vas-y. Mais putain! Ouais! Putain, mais c'est quoi ce truc? Putain! Mais c'est quoi ce délire là? Mais t'as un gros pavé, tu vas voir. Je... Non, mais merde! Non, il suit pas. Il n'est pas derrière. Mais vas-y. Attends. C'est pas un gros. C'est pour ça que j'essaie de le faire. Il est sous les branches. Mais putain, il est où lui? Il est pas rêvé, il est là. Attends. Regardez au moins. Mais il est plus là, génial. Il est plus là. Il était juste là. Dommage. Et deux Dark Sleeper en moins. C'est le deuxième. Hier j'en ai perdu un. Et lui maintenant il a plus de queue. Super. Ah non, franchement là c'est du grand art, je te jure, j'en ai 7 maintenant, je te jure. Ça va me saouler. Ah mais il est là, hein. Il est là. Je vais lui faire la peau. Bah plus avec la benquet, ce sera du pur kiff. Putain. Allez. Ah bah je confirme, lui il faisait pas 40. En plus je l'ai vu. Je sais pas si vous l'avez vu. Un peu.
Vu que l'eau est verte, ouais, tu m'étonnes. Mais putain, non, c'est de la merde. Ouais, le Dark Sleeper, le Dark Sleeper, il était parfait pour ça. Il était bien, putain. Vas-y, j'en ai marre. Je vais lui remettre un Dark Sleeper, j'en ai marre. Loupé, loupé. Ouais. T'as entendu? Ouais, ça fait une... T'as pas fait un coup de tête, toi? T'as pas mis un... Tiens, regarde, bah oui. Bah, regarde les grosses bulles devant toi, t'es malin. Vas-y, doucement, doucement, mouline plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Attends, je te jure. T'as pas offert, là, toi? Bah, non. Bah non, il a cru que c'était de la merde. Bah tu m'étonnes, y'a que ça. Non mais ils sont malins, t'as bien vu. Ils sont pas couillons. C'est délirant ici. Je vais aller au fond là-bas. On dirait le téléphone rose, la vérité. Mais non, mais... C'est de la police. Y'a plus de bavette. Bon, bon. Il a arrêté de nager. Vas-y, vas-y, tiens, prends. Non, prends. Vas-y, vas-y, doucement, doucement. Vas-y, vas-y. Allez, tu prends. Allez, tu prends. Mais t'inquiète, je vais t'en faire prendre un autre. Vas-y, non, doucement, 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 doucement. Mais j'y en a marre de ce... Oui. Vas-y, tiens. Ramène. Il est microscopique, le truc. Il est impeccable. Premier brochet, Léo. Bravo. Il fait même pas 40. Bah, c'est un brochet, il est pas... Il fait même pas 40. Un point est un point. N'importe. Allez, vas-y, arrête. Attends. Doucement. Alors, tu vas... Vu que le leurre, il est dépiqué. Tiens, regarde. Prends-le comme ça. Prends ton doigt. Prends ton doigt. Par contre, attention, il a des dents. Tu... Ouais. Attends. Vas-y, non, dans l'autre, l'autre, là, vous, voilà, et tu mets ton pouce par-dessus, là, voilà, là, voilà, tu l'as, hop, doucement. Bravo, bah bravo quand même pour le brochet. Merde, pas prêt, non, je m'en fiche, photo. Là, t'as mis un petit... Voilà, parfait. Attends, c'est le duo que je veux. Parfait. Release. Allez, Hugo, fais doucement. Allez, vas-y. Tu release. Fais comme ça. Ouais. Voilà. Oh. Si, laisse-le dans l'eau. Ouais, j'ai l'espèce de truc, comme je t'ai dit, de tu sais, pour les clés, là. Tiens, regarde. Eh. On va le mesurer avec un porte-clés, bordel de merde. Ouais, c'est rien. Tiens, envoie. Attends, attends. C'est pas tes mains. Attends, ça, c'est le 90. Tiens, viens. Amène-toi par là. Regarde. Là, toc. Non, toi, tu me plantes pas tes chicots. Hop. Tes chicots. Tes chipolata, pas chicolata. Ça marche pas. Il est pas même tout encore. 58. Je pense pas. 54. 54, ouais. 54. Allez, vas-y. Hop. Vas-y, tiens. Attends. Je le mesure. Hein. Je le nettoie. Voilà. Hop. Attends. Tiens-le comme ça. Non, voilà. Pose. Vas-y, tiens. De toute façon, je l'ai. Voilà, 55. Enfin, 54. Voilà quoi. On a fait du brochet aujourd'hui, c'est clair. Allez, vas-y. Oui, oui, oui. Vas-y, release, 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 release. Traîne pas. Traîne pas, voilà, allez, 54 cm, voilà, allez. Hop, au revoir, on va grandir.